Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Et je suis avec l'infâme Cyrad. Salut tout le monde. Et on va se commenter une petite game du tournoi Medieval 2 de Master. Donc cette game, c'est une game de la poule A, hein, où il y a Chouan, Bourguignon et JDD, les gros morceaux. Et sur cette game, Cyrad est opposé à JDD Del Signor. Donc Cyrad, tu commandes une armée d'Antioche. Et donc qui est devant nous, hein, on voit l'infect de croix. Et au loin là-bas, on a JDD qui commande une armée originale, une armée aztèque. Donc vas-y, Cyrad, présente-nous ta petite armée d'Antioche. Hein. Ok, donc j'ai décidé de baser mon armée sur l'infanterie et la cavalerie. Donc j'ai pris une seule unité d'archers, les Arméniens de Cilicie. Juste derrière, 4 infanteries de défense, donc les chevaliers d'Antioche à pied. Ensuite, sur mes ailes, j'ai pris 2 gardes d'Edesse disposés donc, de chaque côté. Une bonne infanterie d'attaque. Juste derrière, je vois donc mon général qui est dans la croix d'Antioche pour vraiment apporter le moral et bien évidemment le canon du Saint-Sépulcre, une unité vraiment surcheatée. Et au niveau de la cavalerie, j'ai apporté le meilleur, c'est-à-dire un maréchal hospitalier et 2 chevaliers hospitaliers. Ouais, une compo bien bourrine à la Antioche, hein. Putain, joli. Donc vas-y, je te laisse présenter l'armée aztèque de JD, parce que moi les aztèques, je les connais pas bien, donc vas-y, je suis à ta disposition. Donc au niveau de sa première ligne, on a 4 guerriers aigles, donc c'est vraiment l'infanterie la plus puissante des aztèques, qui va faire vraiment le café. Ensuite, on voit 3 unités de guerriers flèches, qui sont donc des javeliniers, qui se battent très bien au corps à corps. 4 guachiquets, donc de l'infanterie lourde. Juste derrière, on a le général dans ses gardes du corps. Puis on a 4 guerriers jaguars. Et enfin 4 lanciers aztèques. Ok, ouais, donc ils sont des bougiers spécialisés en anticave. Ils vont en... Je crois qu'ils vont pas chômer eux, hein. Ah, c'est sûr. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go, lecture, c'est parti. Ça fait une sacrée masse de troupes, hein, chez l'aztèque, hein. Putain. Ah, y a du monde. Ah ouais, la vache. Et direct, il vient se placer sur ton flanc, j'ai l'impression. Ouais, alors je précise que la croix d'Antioche donne un bonus aux unités à proximité, hein, donc c'est vraiment... Le bonus est quand même monstrueux parce que les unités vraiment ne fuient pas quand elles sont à proximité de la croix, c'est bien utilisé, c'est vraiment chouette. Alors là, tu nous redéploies ton dispositif. Voilà, je vais me replacer face à JDD. Ouais, pour lui faire face, ouais, bien. Il est allé prendre la petite colline qui est sur le côté de la carte, là. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein. ils viennent avec leur pyjama au combat, les Aztèques, quoi. Ouais, mais ils sont vraiment très puissants parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment tenu à porter la croix. Ils effraient les unités ouais, ennemies. Donc... c'est pas les coyotes, c'est pas une unité spécialisée. Dans Crusade, ils ont fait comme pour America, les guerriers aigles, les guachiquets et les guerriers jaguars effraient les unités. Ah putain, la croix va pas être de trop alors. Hein. Alors il y a mes archers qui commencent à tirer. Ouais, exact. En effet, première flèche. Avec leur petite arche courbe à la musulmane. Alors là, directement, tu les renvoies sur les arrières du dispositif. D'ailleurs, JDD, il attaque direct ou il reforme son dispositif? Ah, il attaque direct, ouais, il fait le point. Oui, et... Ah ouais, sacré choc, là, hein. Ton dispositif. Parce que les guerriers, ils ont un bonus de charge vraiment dévastateur. Voilà. Oh là là, et tu vas pas réussir à contrecharger. Ouais, de justesse, joli. Sacré choc, sur toute la ligne, on a les premières infanteries qui se rencontrent. Infanterie légère contre infanterie lourde. On a les javeliniers sur les arrières qui commencent à arroser de leur espèce de V2 avec leur ampoule, hein. Et on a l'infanterie lourde qui a... Alors putain, il y a toute ta cave qui est en train d'arriver là. Voilà, donc regarde le chevalier hospitalier qui est tout seul. De son côté, il va faire une charge absolument épique. Oh putain, ouais. Oh là là, là, ouais, je l'ai. Il va passer entre les lanciers, c'est... Les hospitaliers là, ils arrivent plein de tubes. Et tac. Ah bah alors là, c'est vrai que ça fait mal sur les arrières. Oh là 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 là, ce tas quoi. Donc là, il y a tous les fougiers qui arrivent pour intercepter ta infanterie lourde fougier. Sacré masse de troupes qu'il a, JDD, quand même, hein. Ah oui. Alors là, j'ai utilisé mes gardes d'Edesse, tu vois, sur les côtés. Ah ouais, je les vois, exact. Ouais, pour maintenir et accrocher la viande, hein. Parce que là, les fougiers sont engagés maintenant. Ouais, tu vas essayer de venir au centre maintenant avec ta cave. Ça fait une sacrée charge masse de cavalerie, hein. Pendant ce temps-là, on a toujours les javeliniers qui avoinent... centre où ils avoient tes canons du Saint-Sépulcre. Fort heureusement, ils sont très résistants. Ouais, ils ont pas pris de perte encore.
Et il y a tes archers en arrière-garde qui continuent d'envoyer... Ils tirent sur les javelins qui sont au milieu. Alors il y a ta cave qui commence à arriver... Oh, il y a un tas là-bas d'Aztèques. Oh mon dieu. Ah oui. Ah là, il y a ta cave qui est sur les arrières maintenant, donc là il va commencer... Ouais, il essaie de t'accrocher avec ses bougies, c'est malin, il a laissé une unité de bougies... Alors... D'ailleurs là tu loupes un peu ta charge, ouais d'ailleurs tu te fais accrocher direct, oh celle-là elle est belle, oh celle-là elle est belle. Voilà, de ce côté les gars et jaguars ils vont prendre cher. C'est de l'infanterie légère, il n'y a aucun bougier en plus là pour ramener un peu de peps contre les cavaliers. Enfin, hop, les chevaliers hospitaliers vont aller faire la même chose de l'autre côté. Ouais, oh putain ouais alors là j'arrive pas à tout suivre moi. Ah ouais si, oh là là elle va être belle aussi celle-là. Est-ce qu'il va contrecharger avec ses bougies? JDD contrecharge. Non, sacré charge, oh là 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 là. Ouf. Et le, oh, le général qui meurt, oh, tué par les canons du Saint-Sépulcre, c'est leur spécialité, ça, éliminer les généraux. Hein. Alors là-bas, il y a l'unité de maréchal aussi qui fait le café. Ouais, bah là, contre les Aztèques, la cave, c'est impitoyable. Hein. Et si tu regardes bien, mes infanteries d'Antioche, elles se sont fait mais décimées. Sur les ailes, ouais. Oh, ouais, même les gardes TDS qui fuient déjà. Au CAC, c'est lui qui est en train de passer, même au centre, là. Il y a les canons du Saint-Sépulcre qui tiennent la baraque. Oh là 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 là, ah ouais, c'est... Même sur la balance des forces, c'est en ma défaveur. 53. Heureusement, t'as encore toute ta cave quoi. Donc là tu peux. Quoi qu'il y a une cave qui est très mal en point, qui est tombée à 15. Donc là, elle va commencer à avoir un peu moins de peps. Hein. Il y en a une qui est à 20. Il n'y a plus que le maréchal qui est vraiment. Il y a le maréchal qui est encore full vie, hein, lui. Hein. 15, ouais, là ça va commencer à tomber hein, maintenant que. Il y a du bougier qui les avoine, ouais. On voit que mon unité d'archer aussi, elle a bien éliminé les guerriers flèches. Ouais, elle a fait le boulot. Par contre, là, clairement, la concentration des maréchals, des maréchaux et des chevaliers hospitaliers. Mais bon, il y a encore beaucoup d'Aztèques. Ah, c'est serré. Et au centre, putain, ça. Il n'y a plus que les canons et je ne vais pas tarder d'ailleurs à envoyer la croix hein, parce que. Ouais, parce qu'ils sont considérés comme fanatiques, je crois en plus. Oh, sacré charge encore, bah là tu fais le ménage dans les javelinés, d'ailleurs ils fuient hein, effondrés, tu m'étonnes, ils ont 3 caves sur leur tronche. Et là ouais, au centre, c'est en train de passer, hein. Y a les canons qui tiennent le centre, mais à part ça, y a ton aile gauche qui s'enfuit. Lui, y a son infanterie légère qui s'enfuit aussi, mais c'est quoi ce merdier? Ah là c'est un gros bordel. Ah ouais, c'est un gros merdier, mais heureusement ta cave est en train de faire le ménage. Hein. Donc là y a mes archers qui vont tirer une belle volée à bout portant sur les... Je regarde ça. Ah oui, oh là 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 là, sur les mecs, ouais. Lancier Aztec sous le choc, bougies, 60 bougies en plus hein. Alors là tu te fais accrocher par les javeliniers et là on a un énorme pâté. Oh, les canons qui arrivent. Et là je crois même que mon général qui a fini par arriver au corps. Là ça fuit, c'est le sauf qui peut général chez l'Aztec. Oh la masse qui fuit, 96, 86. Il lui reste quoi JDD à ce moment là? Il y a une unité là bas qui est encore en train au CAC. Donc les c'est l'infanterie légère qui a dû se reformer contre chevalier d'Antioche. Là c'est fini. Hein. Et me reste vraiment très peu d'unités à moi aussi. Eh bah y'a pas à dire hein. Sur ce genre de game, je trouve que l'Aztec mine de rien en 1 contre 1 en infanterie gagne, mais le problème c'est la CAF quoi. Hein. En plus il a même pas d'arbalétrier, il a aucune unité qui peut amener des dégâts en fait, hein, à part les quelques bougiers. Non, GG là, JDD c'était un pari osé de prendre les Aztèques, hein. Mais mine de rien, il s'est bien défendu, il a réussi à percer les ailes, il y a les canons qui ont tenu le centre, mais après ta cave, bah t'as bien micro-géré ta cave, et ça se voit au résultat final, hein. Je vais aller voir l'escorte des caves. Ah merde, j'ai le replay de JDD. Bah moi je l'ai, donc 278 et 162 prisonniers, donc... Ah ouais, putain ouais, ils ont bossé hein. 370, 238. Oh là là, ouais, non, c'est clairement ta cave à elle toute seule a vraiment. Voilà, c'est. Non, c'était osé. Hein, et je pense qu'il a voulu essayer de gagner vite la game en faisant des grosses pertes très lourdes et en attaquant très vite, très fort. Mais bon, la cave a fait la différence, hein, y a pas à dire. Et puis ça fuit vite quand même les Aztèques. Hein, bon, Antioche, c'est quand même une bonne faction avec sa croix. Les mecs, ils meurent sur place quoi. Hein. Quoique, t'as quand même eu quelques petites fuites sur les ailes. Bah, c'est, ou c'était loin des croix. Hein. Donc, ouais, voilà. C'est loin de la croix tout simplement. Hein. Le centre tient bien aussi, c'est que voilà, il y a la croix qui est là, ton général qui est là, et puis JDD perd son général assez tôt aussi. Hein. Non, GG à vous deux, ça a été une sacrée bataille. Donc dans cette poule, t'as battu JDD 2-0. C'est qui ton opposant Cyrad maintenant dans les. C'est Maxilve. Donc tu vas affronter Maxilve en 8ème de finale, ça va être une belle game parce que Maxilve est un sacré client aussi. Donc voilà, GG à vous deux, c'était une belle game. Donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle game, hein. C'était Syrah DPP et on vous dit ciao.